seuls les meilleurs guerriers reposent ici. Les héros. Ils ne sont pas nombreux. Mais ce sont les héros de l'arène. Ceux qui ont mérité une mort honorable. Les autres sont enterrés dans des trous sans nom, loin d'ici. Personne ne se souvient d'eux. Quand ton tour viendra, et il viendra, penses-tu être digne du titre de héros, Mystios ? Je serais plus que digne de reposer ici, si quelqu'un se montre assez fort pour me tuer. J'ai entendu parler de toi et de tes exploits, Mystios. C'est impressionnant. Si ces récits sont vrais. Ça dépend de ce que tu as entendu. Beaucoup de choses. Une guerrière parcourant la contrée, qu'on dit parfois à moitié bête ou à moitié déesse, mais toujours porteuse d'aigle. Championne du combat des cent mains. Dis-moi, les récits disent vrai ? Tout est vrai. Et il y a des choses dont tu ne sais rien. Bonne réponse. Je me moque de savoir si les récits sont vrais. Je vois ce que tu recèles. Une aptitude à la grandeur. La possibilité de l'héroïsme. Je m'appelle Maillon. Cassandra. Si tu as envie de vivre pleinement, Cassandra, de devenir une héroïne de la reine et de devenir riche au-delà de tes rêves les plus fous, tu dois combattre dans mon arène. Ça a l'air intéressant. Bien. Prends mon bateau et longe la côte de Pefka en direction des épaves et de l'embouchure de la vallée. Là-bas, tu trouveras l'entrée de mon arène et Skoura, qui s'occupe de mes combattants. S'il voit en ta personne les mêmes choses que moi, je pense qu'il sera très enthousiaste. Maillon a parlé d'épave. Les épaves devraient me mener à la reine. Il me faudrait un plus gros bateau. Ça doit être Skoura. Oh, elle est rentrée. Non,
Navas m'a parlé de la reine. Je devrais essayer. Je suis fatigué. Chut. Tu entends ça? Je n'entends que le vent. Ah, exactement. Rien. Ouais. Il paraît qu'on pouvait entendre la foule de très loin. Sa soif n'était jamais étanchée. Sa soif? De quoi? De combat dans l'arène, Mystios. De vie et de mort dans leurs formes les plus pures. D'amour, de haine, de gloire et de déchéance pour le plus grand plaisir de la foule. Je m'appelle Skoura. Cassandra, j'ai trouvé un message parlant de cet endroit et de toi. Il invitait les combattants de tout le monde grec. Ces murs ne tremblent plus parce qu'il ne reste plus de héros de l'arène. Le public ne veut plus de vrais combattants. Il ne veut que du sang. Mais toi, Mystios, tu pourrais changer ça. Tu pourrais renouveler son intérêt et remporter des richesses qui dépassent tous tes rêves. Si tu te bats et si tu gagnes. Je peux peut-être de nouveau faire trembler les murs de l'arène. Bien. Parle-moi des autres combattants. En tant que nouvelle arrivante, le choix de l'adversaire t'appartiendra. Il n'y a ni esclaves, ni criminels ici. Seulement des guerriers animés du désir de verser le sang pour le public. Je vois. Il y a actuellement 5 champions. Tous plus assoiffés de sang et redoutables l'un que l'autre. Tu devras battre chacun d'eux pour gagner le titre d'héroïne de la reine. Dis-moi plus à propos de la reine. Elle existe depuis des décennies, mais elle a changé récemment. Comme beaucoup de choses. Ouais. Les combattants d'aujourd'hui ne s'intéressent qu'à l'argent, pas à l'honneur. Et les spectateurs veulent simplement voir les guerriers s'étriper entre eux. La mort ne leur suffit plus. C'est de cruauté qu'ils ont soif. Il me faut un peu de temps. Alors la foule attendra. Ah, la future héroïne de la reine est de retour. Mes lames et moi sommes prêtes. Choisis ton adversaire. Je vais affronter ce roi des brigands. Vous voulez les meilleurs? J'ai dit! Vous voulez les meilleurs? Vous voulez les meilleurs? Eh bien! Je vais t'enterrer! Dû leur faire belle impression. Tu n'as pas regardé? Ça fait des années que je n'ai pas vu un combat depuis l'arène. Mais à entendre les clameurs de la foule, j'ai peut-être une championne sous la main, après tout.
Ce ne sont pas les cris de la foule qui m'attirent dans l'arène. Je suis Mystios, rappelle-toi. Oui, mais je suis certain que tu ressens quelque chose quand la foule hurle ton nom. Skoura. Maillon. Ah, Mystios. Je l'ai su dès que j'ai posé les yeux sur toi. Tu pourrais, je dis bien pourrais, devenir comme Skoura un héros de l'arène. Si tu continues à combattre, je te prédis une longue et enrichissante carrière, dont je profiterai aussi. Quand tu seras prête à continuer, va voir Skoura. Choisis ton adversaire. Je vais transpercer Belos comme une bête sauvage. Vous voulez les meilleurs ? J'ai dit ! Vous voulez les meilleurs ? Vous voulez les meilleurs ? Eh bien, les... Oh. La lance. Elle me rappelle des temps anciens, les Perses. Cette lance en a tué quelques-uns. Mais moi aussi, sur le champ de bataille et dans l'arène. Tu t'es battu contre les Perses ? Ah oui. Et comment était-ce ? Dur. Les Perses étaient des adversaires redoutables, très nombreux. Leurs armées comptaient des guerriers de terres lointaines et inconnues. Il a fallu l'unité absolue du monde grec pour en venir à bout. L'unité du monde grec. On a peine à y croire aujourd'hui. C'est vrai. Mais le retour a été plus éprouvant que la guerre elle-même. Pour Maillon et moi, après la guerre, la vie a été difficile. Nous étions habitués au combat, à la mort. Nous avons retrouvé ça dans l'arène. Comment était l'arène à ton époque ? C'était un lieu voué à l'honneur et à l'héroïsme. Pendant des années, j'ai trempé ma lame dans le sang. Mais c'était une autre époque, et j'étais un autre homme. Comment es-tu devenu un héros de l'arène, au fait ? Qu'as-tu fait ? J'ai survécu. Je dois partir.
Tu as accompli un vrai travail de guerrier dans l'arène. Continue. Merci. Dinala ! Dinala ! Choisis ton adversaire. Je vais chasser Evant dans l'arène. Vous voulez les meilleurs ? J'ai dit ! Vous voulez les meilleurs ? Vous voulez les meilleurs ? Eh bien, les... Quoi ? N'a guère de privilèges, en dehors du plaisir, de la renommée et de la gloire. Dis-moi, Mistyos, as-tu des proches, des amis, de la famille, des amants ? J'ai des gens dans ma vie, des personnes qui comptent pour moi. Tu en as aussi ? Ma fille compte beaucoup pour moi. Tu as sûrement dû te faire des amis dans l'arène. Ah oui. Que sont-ils devenus ? Je suis un héros de l'arène, le plus grand champion. Je les ai tués en combat honorable. Ils reposent sur la côte, loin d'ici. Et qu'en est-il de ta famille, de ta fille ? Mon Anaya bien-aimée. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que je ne pourrais plus jamais tuer. C'est pour elle que j'ai cessé de combattre, même si je n'ai pas pu m'éloigner complètement de l'arène. C'était il y a longtemps ? Des années. De nombreuses années. Bien, je n'insiste pas. Mais viens me voir combattre. Je t'envie, Mistyos. Tu as tout à gagner. Ne laisse pas passer une telle occasion. Choisis ton adversaire. Le roc d'Athènes finira en poussière. Vous voulez les meilleurs ? J'ai dit ! Vous voulez les meilleurs ? Vous voulez ! Parti. Ah,
Laisse-moi mourir. Tu souffriras. Fais ta balle. Choisis ton adversaire.
Vasilis a dévoré son dernier adversaire. Vous voulez les meilleurs? J'ai dit! Vous voulez les meilleurs? Vous voulez les meilleurs? Eh bien, les... Passe en moi, voilà ce que tu as. Yeah!
Tu as fait preuve du talent que Maillon et moi-même avions vu en toi. Tu atteindras la grandeur. Merci. J'en ai fini ici, Mystios. Je m'en vais. Je ne suis plus fait pour vivre devant la porte de la reine. Je dois passer à autre chose. Où vas-tu aller, Skoura? Que comptes-tu faire? Mener ma vie le mieux possible. Tu vas aller voir ta fille? Ma petite Anaya. Oui, je crois que je vais la voir. Nous nous reverrons, Skoura, je l'espère. Qu'est-ce qui te pousse à quitter l'arène maintenant? C'est à cause de toi, Mystios. Je t'ai enfin regardé combattre dans l'arène. Depuis combien de temps n'avais-tu pas vu de combat? Très longtemps. Mais je suis content d'être revenu. Ça a réveillé en moi des sensations que je croyais perdues. Je comprends, mon ami. Ami? Pas vieillard? Pas vieillard. Ami. Non, avant que je te quitte, je t'ai organisé un dernier combat. Le meilleur adversaire de tout le monde grec. Ce ne sera pas facile. Mais rien n'est facile dans l'arène. Ça t'intéresse? Peut-être une autre fois. Comme tu voudras. Si tu veux combattre dans l'arène après mon départ, va voir Praxis à la porte. C'est lui qui s'occupera de ça maintenant. Vulgaire. Tu veux affronter quelqu'un dans l'arène? Je vais affronter cet adversaire mystère dans l'arène. Skoura a dit que même les dieux acclameraient celui-là. Regarde ça, Mystios. Oh, sans ça, tout ce que j'ai été se résume dans cet instant. La guerre, ma vie dans l'arène, ma fille Anaya, et toi, Mystios. Et Anaya, pense à elle, Skoura. Je pense à elle depuis le jour où elle est née. Et maintenant, plus que jamais. Pourquoi fais-tu ça? J'ai trouvé le moyen. Grâce à toi, j'ai trouvé le moyen de revivre. Bon sang, réfléchis. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais parfaitement ce que je fais. Tu vas devoir m'affronter, Mystios, et je n'hésiterai pas à te tuer si j'en ai l'occasion. Très bien, vieillard. Je vais t'envoyer dans l'autre monde. Avec plaisir. Yeah.
Pas mal pour un vieillard, en effet. Pas mal du tout. C'est ce que je pense aussi. Et ta fille, Anaya? Il n'y a plus d'Anaya. Elle est morte, il y a 9 ans. Alors, quand tu as parlé de la revoir? Pour nos retrouvailles. Je ne voulais pas qu'elle me voie telle que je suis devenu. Un vieillard inutile. Mais tu m'as montré que je pouvais aller fièrement à sa rencontre. En héros de la reine. Tu ne penses pas qu'elle saura faire? Tu feras sa fierté, comme tu fais la mienne. Je lui parlerai de la nouvelle héroïne de la reine, une guerrière honorable. Merci, mon ami. C'est paisible, n'est-ce pas? Nous aspirons tous à cette paix. Honneur et paix. Comment fait-on pour les acquérir? La paix et le respect. À notre mort, nos actes doivent parler d'eux-mêmes. Ils nous définissent, ils sont notre héritage. Ce qui compte vraiment, c'est le souvenir qu'on laisse. Quel souvenir garderas-tu de Skoura? Le souvenir de ce qu'il était vraiment. Un héros de la reine. Et un ami. La foule exige toujours plus, Mystios. Veux-tu regagner la reine avec moi? Vas-y, toi. Je vais rester ici quelque temps.